Je sais pas vous, mais moi j'aime le bon son. J'aime quand ça sonne bien. Malheureusement, les smartphones sont incapables de prendre un bon son avec les micros dont ils disposent. Au pire, on peut trouver des solutions câblées pour connecter un micro professionnel. Mais en 2019, il est temps de couper le câble. Bonjour, je m'appelle Joël et j'ai peut-être une solution pour vous. Voici BAM, une interface petite et légère qui permet de connecter le meilleur des micros sur votre smartphone et ce, sans fil. Capturer des images de qualité avec son smartphone, maintenant c'est possible. Même Steven Soderbergh l'a fait avec un iPhone 7. Mais pas le son. Le son et l'image, on n'est capable pas du tout de la même manière. Le micro intégré sur la caméra, dans notre cas le smartphone, ça marche assez bien pour du son d'ambiance. Mais pas pour faire une interview de qualité. Pour ça, il faudrait mettre le micro proche de la personne qui parle. Mais c'est pas comme ça qu'on fait un cadre, on se préoccupe d'abord de l'image. D'où l'intérêt de séparer prise de son et prise de vue. Et avec BAM, vous pouvez vraiment vous éloigner de votre smartphone. Vous pouvez aller jusqu'à 30 mètres! Oui, vous m'avez bien entendu, 30 mètres! Pour faire le design de BAM, je me suis inspiré de la tranche d'une table son. Une tranche regroupe toutes les possibilités de réglage d'une entrée audio. BAM existe déjà sous la forme de prototype afin de valider les points les plus critiques en termes de qualité de rendu. Réalisé avec des composants de première qualité, il sera intégralement assemblé en Suisse. Et les résultats sont très bons, vous entendez? Tout a été tourné avec BAM. Bref, que vous réalisiez des films, que vous soyez journaliste, que vous soyez blogueur, ou que vous avez simplement des trucs à raconter, BAM, c'est le petit plus de liberté qu'il vous faut. Alors soutenez ce projet aujourd'hui pour que BAM devienne une réalité et soyez parmi les premiers à pouvoir en profiter.